Le Wunder 06, enfin une pleine lune magnifique. Je suis allé dans un endroit un peu à l'abri des lumières de la ville. Voilà. Donc on est le 8 février 2020. Apparemment c'est la pleine lune de la neige, mais il n'y a pas trop d'explications là-dessus. Elle va apparaître hein, tout doucement. En fait, je me trouve à la Croix des Gardes. Parce que les temps de Mougins, c'est un peu frais pour y aller. Il fait trop froid, je suis en scooter. Bon, le télescope tient dans le sac. Mais voilà. Donc on va laisser apparaître la lune. Et après, je vais vous la découvrir. Allez, je vais faire un focus. Elle est magnifique. Donc voilà, elle va apparaître petit à petit. Petite musique de fond qui va bien. Merde, lunettes. Allez. Comme tout. Myope qui se respecte, on a les lunettes sur la tête et dès qu'on bouge. Petit clin d'œil à Kaiser JL qui est sur la route de l'Espagne et qui va au Portugal. Peut-être va-t-il voir John C du fourgon de la morue. Très sympa. Allez, on va refaire un focus. Voilà. Ah, je la trouve en beauté moi ce soir la lune. Voilà. Donc le petit clin d'œil à Kaiser qui est sur la route. Kaiser JL. Je vais essayer de pas la rater. Je vais remonter un poil. Voilà. Voilà, qu'on la voyait un petit peu plus. Tant que ça se stabilise, je vais me faire une petite photo comme ça. Paf! Voilà. Pas facile, j'aurais dû prendre mon télécommande pour faire les photos. J'ai bougé. Vous voyez, ça fait bouger l'objectif. Oh, pardon. Là, c'est pas voulu. Voilà. Donc, pleine lune. Voilà. Magnifique. Là, je suis content ce soir parce que pas de pollution atmosphérique et pourtant à côté de la ville. Bon ben voilà, il y a des voitures qui passent la nuit hein, quand même. Les gens vivent. Ah ouais, la musique intelligente encore. Putain, je sais pas comment être. Bref. Voilà. Je vais remonter un tout petit peu encore. Un petit poil. Enfin, quand je dis. Ah, finesse! Quand je dis que je remonte, en fait, je redescends. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va profiter un peu de la lune. Un petit peu plus longtemps. Je suis désolé. Voilà. Je suis trop remonté. Voilà, c'est les aléas des observations. Voilà. Je voudrais un tout petit peu au milieu. Ça serait super joli. Voilà. Juste pour le plan. Trop bas. Ah ouais, moi je suis chiant là-dessus. Voilà, là on est bien. On n'est pas bien là? Voilà. Donc ben voilà. Et samedi soir. Et de la maison, c'est pas possible parce qu'elle est au zénith. Elle est au zénith et on peut pas la prendre puisque mon immeuble me gêne. Voilà. Donc je sors, c'est mieux.
Il n'y a pas d'immeuble. Et là, on voit que j'ai de plus en plus de mal à faire le focus parce que elle commence à disparaître. Il est du viseur et elle est vraiment elle éclaire beaucoup quoi. Voilà. Après, je vais faire une série de photos. Je vous mettrai ça à la fin. Ça va être bien sympa. J'ai réussi à bien régler un PEC. Voilà. Ça peut paraître lent, mais moi, le spectacle, je m'en lasse jamais. Voilà. Après, bien sûr, on retombe dans la lune noire, après. Donc, ça, c'est propice aux observations d'étoiles, puisqu'il n'y a pas de lune. Et bon, bien sûr, il faut aller dans un endroit... Il faut aller dans un endroit sans lumière, hein, c'est mieux. Putain, sans déconner. La maison Poulaga qui passe et qui me ruine le... Peut-être pas, remarque. J'ai pas regardé sur l'écran, mais bon, voilà. Ils sont partis. Donc voilà, elle disparaît petit à petit. Et bien, je vais vous mettre quelques... On voit qu'il y a des nuages, hein, et on les voit apparaître, voyez. Donc même avec les nuages, je trouve que c'est super qualité de lune. Un petit clin d'œil à mon anglaise préférée, Sarah, qui va se reconnaître. Voilà. La lune. Ça serait bien de voir un engin passer dans le clair obscur de la lune. Voilà. Bon, bah, c'était Wunder06. Je vais vous mettre toutes les photos que je peux faire. Je vais vous les mettre à la fin. Et voilà. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Ils ont mis le gyrophare. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous mets toutes les photos après là. Bye bye. The ocean on our